Okay. On va enregistrer votre déposition. Samedi 17 janvier 98, 5h37 du matin. Allez-y. Hier matin, je crisais. Avais un rendez-vous, trop de pression pour un job après un an de galère. Faut pas le con, surtout si je le sens. S'il faut faire du rentre-dedans, pas peur des longs déplacements, sportifs comme il le demande. Embauché sur le champ par une meuf top. En plus, j'avais la cote, passer le week-end avec cette grosse. La condition étant de commencer à l'instant. Partant, je prends les devants. Et c'est où qu'il faut se rendre? Attends, c'est loin d'ici. Qu'elle me dit, faut aller voir les boss. Si tu conviens, après on fait la fête, fils. Show, le prolo, le boulot et la go. Dans sa PM, tout le trajet, j'y pensais. Et mec, là je réalise où je me trouve dans les bois. Genre Twin Peaks, bien paumé, j'ai les foies en route. Pour un séminaire de bourge, je bouge, j'écoute. Rien à foutre du moment qui me paie, j'approuve. Ouais. C'était une sorte de manoir, un truc sinistre. Enfin, moi, c'était mon job qui m'intéressait, de toute façon. Moi, je dois dire que la meuf, enfin... On y arrive, drôle d'endroit et des tours en guette. On est fait des reflets par un sang haut, coin des fenêtres. Une grande cour autour des bois, au centre, la bâtisse. Un truc restauré, lugubre et froid, un triste édifice. Orage menaçant, éclair foudroyant, en guise de bienvenue. Fac la rage à fond dans sa voiture. Elle au volant me dit, t'inquiète, je m'occupe de tout. Va te reposer ou mange, après on a la nuit pour nous. Un coq en pâte, costard, cigare, ça va. Maintenant je suis prêt pour être présenté. Là à la réception, trop de monde j'avais pas prévu, tous ces regards intrigués. Drôle de réception, bizarre la salle et tout, lugubre. Tout le monde me regardait bizarre, enfin je sais pas, comme un trophée. Dans la pièce, vais inviter, j'ai noté, il me teste. Si ça sent le fric, fuis, s'en est bourré, cette situation me gênait au début. Et la meuf, où elle est, je sais plus, elle a disparu. Mon cul me v'là, siégeant au milieu de la finance. Partageant le homard aux chandelles avec la vieille France. Discours déchaîné, au sommet, la société, comme il la voyait. Et l'économie mal gérée, moi là, j'étais excédé, prêt à exploser. Leur philosophie m'a dégoûté, c'est con, méprisé le monde. Et j'ai tout de suite pris parti pour les miens. J'ai pas à avoir honte, si j'ai pas de plaie, pas de boulot, enclin à aller plus loin, filade s'il le faut, les poings serrés. Putain d'énergie, j'en shoot un, j'en plie un. Me débat, envoie les pieds, les mains, la tête afin de me créer une brèche. J'en défonce un, réaliser enfin le vrai visage de mes hôtes. Ma faute, être venu ici sans mes potes. En fait, ces mecs ils profitent. Si t'as pas de blé, t'es rien pour eux. Après, j'étais énervé, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis évanoui, plus rien. Je sais pas, ils ont dû me droguer en fait, je pense. Le réveil, un cauchemar, et la pluie donne le temps. Si je flanche, hein, dans les bois, à travers les branches d'herbes, la lumière filtre et c'est le drame. Au loin, j'entends les chiens et les moteurs qui braillent. Ça chasse à l'homme, pire, un truc de fou, une attraction pour eux, un bon coup. Et je cours pour ma survie, durant la nuit, boue et agonie. J'ai esquivé quelques tirs, putain, mon os dire que c'est ou moi. En premier, j'ai flippé, couru, puis décidé que ma peau serait chère payée. Riposte et envisagé un plan, je reviens en force et chut, dans mon dos. Et d'un, un vieux qui faisait du zèle, naïf à l'écart. J'ai hérité d'un fusil, d'une radio, d'une lampe et d'une carte. J'ai pris contact à sa place sur la nationale, environ à 500 mètres de là. J'ai eu salaud les gars. Et soufflé, 10 minutes après, je vois les phares sur la route. Là, il y a une voiture qui a explosé, la panique. J'en ai profité pour m'échapper vite fait. Et voilà, j'ai atterri ici. Faut faire quelque chose. Faut les coincer, y'a des fous qui font des safaris avec des types comme moi. Bien, on va rester là. On a tout ce qu'il faut. Bougez pas. Je vais vous envoyer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on en fait, chef? Boucle-le. Ce soir, je vais le ramener au château. Toi, tu préviens les autres.